To the World Cup final. And Croatia, for the first time ever, will play in a World Cup final. Il est de loin le sport le plus fédérateur et le plus clivant. Le football est une institution, une religion, un objet sociétal à lui seul. Ce sport génère toutes sortes d'excès, plus encore que d'autres sports de compétition. Sport qui envahit les médias, sport spectacle et sport pour faire du fric. Que d'excès, que de fureur, que de démesure pour un simple match de foot. C'est cela la folie du mondial. Si leurs parents ont admiré Zidane, Ronaldo et Beckham, eux, c'est la génération Mbappé, Neymar et Kane. Ces dieux du stade sont des références pour ces gamins qui vouent une véritable passion pour le foot. Ils dribblent, exécutent des gestes techniques, célèbrent leur but à l'image de leur vedette. Ces jeunes pousses vivent leur première Coupe du Monde en tant que jeunes footballeurs du Racing. Voir leurs équipes triompher, parfois éliminées, un mois de délire et de larmes, ils l'ont vécu à fond, des rêves plein les yeux et plein la tête. Allez à Sénèque, votre raison, équipe Angleterre. J'attendais au moins la finale France-Angleterre. Ouais. Bon, j'ai que la Croatie était prenante. Je m'appelle Amaury, j'ai 13 ans, je suis à l'école lycée à Bourdonnay et je supporte le Portugal et l'Angleterre. Pas deux équipes parce que le Portugal n'est pas une bonne équipe et que l'Angleterre c'est un peu une équipe de cœur. Ben, vu que mes deux équipes étaient éliminées, j'ai pas agréable, non? Pas agréable du tout. Surtout que j'aime pas la France, du coup ils sont en finale. Et j'aimerais bien que la Croatie gagne la Coupe du Monde, parce qu'ils n'ont jamais gagné. Et il y a un match qui t'a manqué depuis le début de la Coupe du Monde? La France, la Croatie. Pourquoi? Il y a beaucoup d'actions. Clara, explique-nous, donc tes enfants, les footballs, vous êtes restés assis ensemble, puis qu'est-ce que le match, comment ça s'est passé? Oui, quand on joue au football à la maison, une bonne ambiance. Donc, et dans l'Allemagne, et dans le Brésil, comment ça s'est passé? La guerre, la case? Mais plutôt, pas la guerre, mais plutôt, tu prends plaisir avec ce camarade, surtout quand l'Allemagne est dans le site, que TC Wells est arrivé sur l'équipe pour gagner le coup. Mais finalement, les mêmes qui sont derrière ce coup. Mais il y a des finales avant pour lui, Banalement sur la tête. Ouais. Et sinon, justement, l'engouement Coupe du Monde là, Manchester United, vous êtes dans sa l'ambiance Coupe du Monde là? Ah oui, je rentre dans l'ambiance là et surtout quand nous ça forme Mike Parti, si nous aussi des autres. Nous passons ce football là comme spectateur, mais aussi nous prenons. Les gens prennent, les manchers là, tout commence pareil comme les autres. Dans mon académie, que je formais, et un jour par jeu là-bas. Hein. Voilà, je tenais ça rêve là. Surtout si tu trouves un jeune égo, tu peux tout quand tu es un entraînement mineur, on roule pour essayer de faire pareil, c'est pour t'aider. Ça trouvait que le modèle était un envie, un jour, faire pareil. Voilà. Ici au Racing, la première chose qu'on met en avant, c'est la pédagogie. Donc ils apprennent, et puis on débrief, mais là avec cette Coupe du Monde, en plus que c'est une top Coupe du Monde avec de belles équipes, beaucoup de surprises et plus que ça va, on voit qu'il y a le nivellement par le bas grâce entre guillemets aux petites équipes, on pense à l'Islande, le Nigeria, des équipes peut-être qui sont sorties sur un coup du sort, mais ça donne de la place, de l'espoir à n'importe quel pays de participer à une Coupe du Monde. Et disons que du moment qu'on met une structure en place, bien comme il faut, on n'a pas besoin d'avoir 190 millions d'habitants.
prends l'exemple de la Croatie, ils ont 3 millions d'habitants seulement. C'est un petit pays qui existe vraiment depuis 1991. Le parcours est formidable. Et pourquoi pas un jour, l'île Maurice, on va pas rêver que dans 4 ans ou dans 8 ans, on jouera une Coupe du Monde. Il faut peut-être se focaliser sur une participation à la Coupe d'Afrique des Nations, d'abord. Mais tout d'abord, la première chose à faire, c'est de mettre la bonne structure avec les bonnes personnes. Quand arrive l'heure des pronostics avec leur coach, ce n'est pas de la rigolade. Vu que la Croatie est très fatiguée parce qu'ils ont joué 3 prolongations, donc un match, je pense que la France aura un avantage. Et elle peut profiter de ça pour gagner. Alors moi, mon score, ce serait 2-1. 2-1 pour la France. Un but de Varane sur corner et but de Giroud en demi-volée. Pourquoi ? Parce que bien joué depuis le début. Et tu vois qui marqué ? Mbappé et Giroud. France 2-0 pour la France. 2-0 marqué par le but de qui ? Giroud et Griezmann. Avantage à la France, mais il faut faire très attention. Si la France ne marque pas en deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui va arriver. Et si la France marque en première mi-temps et qu'ils jouent comme ils ont joué contre la Belgique, je pense que ça va se faire. Dans le score ? 2-1. Croatie. Ben oui ! Qu'est-ce que vous dites là ? Ben oui ! Mais faut mettre l'ambiance, vous hein ? C'est même pour gagner. Croatie ! L'amour pour son équipe se traduit par un soutien indéfectible devant l'écran, sur les réseaux sociaux, mais il est tout aussi important d'afficher ses couleurs. Pour cette Coupe du Monde 2018, 8 équipementiers ont fourni les maillots des 32 sélections. C'est le même nombre que lors du précédent mondial 2014 disputé au Brésil. Pour cette Coupe du Monde, Adidas a été l'équipementier le plus représenté avec 12 équipes. Nike prend la seconde place avec 10 équipes, devant Puma avec 4 équipes. Mais il fallait s'y attendre, les maillots pirates ont eu cette année encore la cote à Maurice. Dans la capitale, le business des maillots a été florissant. Cette année-là, nous, Coupe du Monde, comme tout le monde connaît, nous profiter, nous avons un t-shirt Coupe du Monde, c'est tout variété, toute l'équipe du Chénan, au commencement. Mais c'est un t-shirt comme au Brésil, Angleterre, la France. Nous, malheureusement, l'Italie pas là-dedans à l'année-là, mais c'est l'équipe-là qui nous a pris beaucoup de fans dans Maurice, pour penser. Et nous avons tous, nous tirons tous les t-shirts au commencement, en Belgique, qui sont Allemagne, qui sont Panama. Si depuis le début de la compétition, l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont été les best-sellers, en revanche, à la veille de la finale, les commandes affluent pour la Croatie, qui peut compter sur les anti-équipes de France. Dans les commerces, on ne trouve plus le maillot à damier des Croates. Nous pas de respect, mon pensée dans mon respect, nous pas de respect, un Croatie par le final. C'est nous bien contents sûrement quand même, un petit équipe au final. Maman, tu souhaitais une plus grande équipe en quoi au final, tu plus joli. Mais malheureusement, nous faisons un t-shirt. Croatie, nous tiendrons une histoire assez correcte parce qu'il nous tiendra Croatie, Belgique, c'est de l'équipe. Moi, personnellement, moi, tu pensais l'équipe pour un outsider. Parce que moi, tu gagnes à l'équipe là, quand je mets le match amical, tu fais extra bien. Ce week-end de finale s'annonce fructueux. Certains ont même placé des commandes pour l'après-finale. Quoi, si tu viens à Tchigit, même il finit tout. Tu veux que je vienne roder ? Beaucoup de gens, quoi, si c'est mon pénaste. Si la France gagnait, je pensais qu'il va nous jouer pour roder encore. Ouais, pour nous roder. Oui, pour un an seulement. Pour un an, beaucoup, c'est mon pénaste, beaucoup. Oui. Et sinon, tu prends le site, toi, par rapport à sa finale ? La France. France ? Oui. Qui fait, hein ? Moi, je fais la France à cause ça. Il y a un qui ne compte plus les maillots tricolores dans son armoire. Ramène Kerpen vit en France depuis 35 ans. Ce taximène à Paris a une collection de maillots bleus. Il avait posté cette semaine les photos sur les réseaux sociaux. Chacun a une histoire. Ça fait à peu près 35 ans maillot, et l'équipe de France, qui fait à mon Gordy parce qu'il isolie. Isolie, chaque 2 ans ou chaque 4 ans, il y a une nouvelle collection, et ben, le maillot là vraiment joli.
C'est une beauté pour mettre le haut. Quand l'équipe de France allait me suivre, on a le Brésil, on a plusieurs pays que l'équipe de France peut jouer, sauf que cette année-là, on a une obligation pour pas de cavale en Russie. C'est un amour pour une équipe, c'est un amour pour un pays. Le foot, c'est surtout l'occasion de réunir les spectateurs dans une même ferveur. C'est une nouvelle religion et les footballeurs deviennent des dieux devant lesquels les supporters se prosternent. Ce dimanche, dans les familles, le clivage sera évident. Il y a ceux qui aiment les Bleus et ceux qui vont soutenir la Croatie, par défaut, leur équipe étant éliminée. À l'IFM cette semaine, alors que les festivités du 14 juillet étaient en préparation, les petites mains s'affairaient en installant la déco. On est déjà à fond dans la finale. Allez les Bleus! Nous supportons la France à 500%. 2-0? 2-1, parce qu'ils sont forts quand même les Croates. Hein. Ben, ça me rappelle ma jeunesse, il y a 20 ans bien sûr, où j'étais sur la place de la Comédie à Montpellier. Donc ouais, ça va être bien. J'aime bien Griezmann et Mbappé. Il nous a bien fait rêver pendant ce mondial. Je pense que la Croatie est bien fatiguée et je pense qu'on a nos chances. Ouais, bah dimanche, c'est petit plan, Tammy. On commence tôt et on finit tôt et on regarde les Bleus gagner. Je me rends bien compte que les gens autour de moi sont pleins d'espoir pour ce match et je pense qu'effectivement, vu les relations qu'il y a entre la France et Maurice, il y a aussi une belle amitié et je sens que les gens sont en soutien derrière cette équipe. Donc c'est plutôt, je pense, un beau moment qui nous attend. Et donc en fêtant la prise de la Bastille, la Révolution française, l'unification de la France, enfin de la nation, et en même temps le match de foot à côté, je crois qu'on est vraiment dans des événements qui sont aussi ceux de l'union et que c'est beau, c'est des beaux moments. Et je pense aussi que c'est une bonne chose d'avoir ces matchs de foot parce que quand vous regardez l'équipe de foot de France, c'est des gens de toutes les couleurs, c'est une grande diversité de personnes qui représentent la France aujourd'hui et je crois que c'est bien de se rappeler que la France, comme Maurice, c'est aussi cette diversité et c'est un bon moment, un beau moment pour s'en souvenir et pour être soudés tous ensemble. On le sait bien, nos hommes politiques sont des amateurs de foot, mais qui pour soutenir la Croatie? Il y a eu au moins un qui ne sera pas aux couleurs des tricolores, il s'est jeté à l'eau samedi. Si vous dites, c'est qu'il y en a peut-être pour gagner des joueurs. Parce qu'il y en a beaucoup croates, Maurice. Normalement, c'est pas un croate. Mais moi, bien impressionné par un petit pays comme ça. Et là, quoi, est impressionné, ça. Un petit pays, c'est une population de moins de 3 millions. Et là, mais la France est un grand pays. La France est une grande équipe. La France est un grand pays. Mais comment vous pouvez dire quel est le meilleur, gars? On va regarder quel est le plus petit, gars. Mais quel est le meilleur, gars? Les paris sont ouverts depuis le début de la Coupe du Monde. Dans les maisons de jeu, les cotes n'ont cessé d'évoluer. Les parieurs, eux, ont repris leur bâton de pèlerin pour la finale, histoire de se faire encore un peu d'argent. Certains ont su tirer des bénéfices lors de cette Coupe du Monde. Moi, ouais, c'est normal, la France aurait tout gagné. Mais favori, normal. Ça n'est pas le moins 3-1, 4-1, ça. Bon, mais finaliste, chaud, moi. La France, avec chaud, normal, Croatie. Oui, tu finis tout ouvert, hein. Je vais mettre 50 ou bien, je vais mettre 18 ans. Ben oui, mais. Pour l'équipe qui était là-bas. Moi, je n'ai pas passé aucune équipe là-dedans parce que je suis joueur. C'est qui m'a dit que je vais gagner 4. Chacun est venu pour gagner parce que toute l'équipe ne pouvait pas répondre en 4 bananes. Non, mon jeu, c'est ce que la Coupe du Monde commence, c'est ce qu'elle pourra terminer. Moi, mon tour pour la seule équipe qui gagne la Coupe du Monde, c'est la France. Ouais, ben, la France est plus favorite que Croatie. La France peut vendre 100 kits de choses, Croatie peut vendre 400 kits de choses. Mon investissement, mon gagnant, mon perdu un petit kit aussi. C'est moi, mon plus beaucoup gagnant qui perdant. Mon gagnant 7000 kits de choses. Pour les gérants, il y a eu certes un engouement, mais ils reconnaissent que l'élimination des grandes équipes a fait que les parieurs ont perdu beaucoup d'argent. Ici, tout le monde s'est pensé, non, on était à la France. Mais malheureusement, pas n'arrive ça. Alors on arrive à la France croate, mais tout le monde peut jouer plus beaucoup la France. Normalement la France 685 et croate 465 et drôle 280. La France est au 750 pour gagner la Coupe du Monde et croate est environ 2004 normalement. Oui, moi pense que c'est Nazoué. Bon, beaucoup de monde, il y en a plein, rempli partout. Il y en a beaucoup de monde, mais normalement, ça, la Coupe du Monde, il y en a plein en bas là-haut. Il y a beaucoup de surprises. Oui, il y en a du monde gagné, il y en a du monde, mais trois coins, perdu. Croatie, là, c'est une surprise. La France, oui, parce que
Et tu fais la finale avec Portugal pour Euro. Et tu presque favori même, mais Croatie, une surprise. Croatie, je ne pas trop encore. Après, je ne sais pas si tu as côté, mais la France, ben elle jouait la France. À cause de là, tu commences. Moi, quand tu as fait, c'est presque favori, moi, 500, 600 pays. Bon, depuis Coupe du Monde, tous les jours, débordé au travail. Le matin, quand nous venons, à moi ouvert, nous finissons dans du monde pétant de haut. Depuis le début, la France, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. La Croatie, nous gagnons un PGE, mais pas sa quantité comme la France, le Brésil, tout ça. Là, on a un grand mouvement pour la Croatie. La France, favori logique, la Croatie, outsider, mais il y a aussi ceux qui veulent miser sur le petit poussé de ce mondial. Manger Belgique, manger Croatie, après Sondaz. Croatie, c'est une bonne équipe. Il y a une bonne équipe. Le plus gros gain, comment le 3000 ou 8, là. Je suis dit à Croatie, moi. Moi, tout le mérité. Tout ce matin, gagné. Je suis dit partout. Oui. Je suis dit anglais avant. Je suis dit anglais, français, brésil ici, je suis dit. C'est ma priorité, je suis dit moi. Quoi, mais tu gagnes un PKS quoi, si? Ouais, bien sûr. Maman, gagne 7000 dollars. Il est encore possible de dénicher la panoplie parfaite pour être prêt pour la finale France-Croatie. Perruque, maquillage, collier s'arrache à ces jours-ci. Nous sommes tous un peu la Coupe du Monde, qu'on adore ou qu'on déteste le foot, qu'on le suive régulièrement ou une fois tous les 4 ans, qu'on soit né un soir de juillet 98 ou 30 ans avant. Nous avons tous une expérience singulière et collective liée à la Coupe du Monde. France-Croatie, bon match, que la fête soit et rendez-vous dans 4 ans au Qatar.